C'est quoi, je devrais partir. Bonsoir à toutes et à tous, vraiment très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle enquête. Donc ce soir vous pouvez constater que je suis de nouveau avec Alexis. Bonjour à tous. Donc ce soir on se retrouve devant cet ancien bâtiment, donc un ancien orphelinat qui est abandonné depuis de nombreuses années. Moi je n'ai pas plus d'informations, mais je sais qu'il y a une petite chapelle à l'intérieur déjà. Mais voilà. J'espère qu'on aura encore une fois beaucoup de phénomènes et que tout ça vous plaira. Bon Alexis, je sais que l'œil est partant. Hein. Ouais, ça a l'air immense. Bon, on va vite rentrer pour pas se faire opérer car il y a des passages de voitures juste devant, justement. Vous pouvez voir hein, déjà, c'est... Ah, attends Alex, hein, je suis en train de... Bon, c'est quand même assez grand. Hein. Bon, comme vous le savez... Alexis restera devant la caméra au cas où que si un phénomène peut se dérouler. Et il utilisera aussi le K18 et la Spirit Box. Est-ce que tu veux aller? Bah moi je te suis Alex. De toute façon on va essayer d'explorer tout l'orphelinat hein, ouais. Pour montrer petite cave. Le plus de choses. De toute façon on va découvrir ensemble l'orphelinat. Ouais, c'est des petites caves. Pourquoi elle se méfie des choses? Ouais, avec les expériences qu'on a eues justement. Ouais, pas grand chose. Si tu veux, je vais allumer. Allume le K18, comme ça on va essayer de tout de suite d'entrer en communication avec d'éventuels. Esprit. Hein. Fais voir. Logiquement, tu le tournes et c'est bon. Tu m'as trop bâton, hein, comme d'habitude, hein, Alex. Attends, je vais te laisser repasser devant en haut. Mon toit cramé ici. Hein. Ouais, tout était incendié, excusez-moi.
Donc bonsoir, hein. Je m'appelle Mike, je suis accompagné d'Alexis. Et voilà, s'il y aurait des enfants hein, qui voudraient se manifester ce soir. N'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà. Dans le 18. Comme Alexis l'explique, hein, il y a le 4-18 dans les mains, donc faites-le fluctuer s'il vous plaît. N'hésitez pas. C'est quand même une ancienne tapisserie. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment à l'ancienne. Ouais, ouais, voilà, c'est ça que je... Ouais. N'hésitez pas à toucher le K18. Hein. De toute façon, dès qu'il fluctue, Alexis nous prévient d'or. Très légèrement. Ouais. Magnifique escalier. Une fluctuation ici. Ah, t'as eu une fluctuation? N'hésitez pas, refaites-le s'il vous plaît. Ah, bah, la petite chapelle dont je vous parlais justement. Vous pouvez constater, c'est magnifique. N'hésitez pas. Ah. Il fluctue. Est-ce que vous pouvez le faire sonner, s'il vous plaît, jusqu'au rouge, si vous le pouvez. Merci. Vous pouvez faire du bruit, hein, ou laisser des PVE. Attends Alex, attends. Sinon on va rester 2 secondes. Attends. Si ça fluctue, légèrement. Ouais, ouais, j'ai remarqué ça. Regardez. Allez. Faites du bruit s'il vous plaît. Aucun bruit pour l'instant. On essaiera la spirit box après. Et aussi le détecteur de présence. Ah, ah, ah. Vous avez entendu, il a fluctué. Refaites-le, s'il vous plaît. En plus, tu repasses, regarde, il n'y a rien. Merci. Merci. Ouais, c'est ici. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec nous? Oups. Ah. Vous avez la chaise? Ouais. Il y aurait un enfant parmi nous? Tu es sur la chaise?
N'hésite pas à te manifester, hein. Bon, je pense qu'on on posera le détecteur après de dessus. Mais c'est quand même assez grand. Ah, il y a encore plus que tu es. Faites-le devant la caméra, s'il vous plaît. Manifestez-vous devant la caméra. Ah, ah. Merci. Merci. Tu vois, c'est dingue. Tout s'effondre en haut, hein, c'est... Wow. Vraiment faire très très attention encore une fois. Donc je me répète, hein, mais n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à parler au micro, donc laissez des PVE, ou faites du bruit, même vous montrer, merci. On va pas y aller ici parce que. On dirait une croix. Là. Ouais. Avec... C'est vrai que t'as raison. J'ai entendu du bruit, t'as pas entendu? Non. Non, j'ai pas fait attention. T'as entendu maintenant? Ouais. Merci. Ouais, c'est... On va pas y aller ici parce que. On dirait une croix. Là. Ouais. Avec... C'est vrai que t'as raison. J'ai entendu du bruit, t'as pas entendu? Non. Non, j'ai pas fait attention. T'as entendu maintenant? Ouais. Merci. Refaites-le, s'il vous plaît. Il y a des personnes, je pensais des personnes. Il y a des personnes à l'extérieur. Viens, attends, on avance. Wow. Franchement, j'ai. On va monter aux étages, hein, Alex. Parce que. J'ai pas envie qu'on soit trop repéré non plus. J'ai la main tout engourdie tellement qu'il fait extrêmement froid. C'est waouh. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment encore une fois aucune information. Wow, 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 wow. Attends, stop, Alex. Là, c'est puissant. Merci.
Ça peut être démoniaque. Arrêtez, s'il vous plaît. On sait que vous êtes là. Oui, on le sait. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrête-le, Alex. Arrête-le. Waouh. C'est puissant. On a peut-être affaire à quelque chose de démoniaque. On sait que vous êtes là. Montrez aux personnes. Vous pouvez déplacer une porte. Faites du bruit. Manifestez-vous. Wow. C'est immense. Une glace et tout, quoi. C'est stylé. Hein. C'est dingue, t'as vu comment il a fluctué? Ouais. Ah, je suis choqué. Hein. Attends, j'ai regardé deux fois. On a entendu du bruit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On va décider à personne. En plus, ouais, il y a les fenêtres juste là, donc avec les lumières, c'est... on est vite repéré, quoi. Ce temps, ça va? Oups. Oh. Bon, là, c'est... mais c'est vrai que c'est gigantesque. Ouais. Donc on va monter tout en haut. Ouais. Et en haut, tu utiliseras la Spirit Box, Alex. Ouais. Donc on essaye d'avoir des résultats tout en explorant et en essayant de découvrir en même temps que vous que... bah, l'endroit, quoi. Ok. Ouf. Désolé. Bah, tu vois quand même qu'il y a du squattage. Hein. Ouais, il y a des personnes qui... ah. Malheureusement. Bon, j'espère que tout ça vous plaira. Hein. Comme je vous l'explique, on découvre en même temps. Hein. Ça va, Alex? Tranquille? Donc ici c'est le grenier, d'accord. Ah bah c'est la salle de réunion. Ah ouais, la salle de réunion, pourquoi? Ah d'accord. Ouais, il y a du squattage. Ouais. Bon, on voit aussi qu'ils ont quand même dégradé le lieu. Bon, c'est quand même bête. Alex. Alex. J'ai entendu du bruit en bas. Juste en bas. Au premier étage. J'espère qu'on est seul. J'espère que je l'ai enregistré. Refaites du bruit.
Alors, soit il y a quelqu'un, ou soit c'est quelque chose de comme je t'expliquais tout à l'heure. Attends, l'exode. Faites du bruit si c'est vous, s'il vous plaît. Wow. Vous avez entendu? Wow. En direct. Hein. Refaites du bruit si c'est vous, s'il vous plaît. Refaites du bruit si c'est vous, s'il vous plaît. Refaites du bruit si c'est vous, s'il vous plaît. Faites du bruit si c'est vous, s'il vous plaît. Wow. Vous avez entendu? Wow. En direct. Hein. Refaites-le. Montre aux personnes. Et t'as entendu, là? Ouais. On est y a personne. On est que deux. Allez-y. Et y a personne. Y a personne. Et je suis choqué. Ah là, je suis choqué. T'as la spirit box? Ouais, vas-y. On trouve personne qu'on est bien qu'à deux. Hein. Ah non, mais choqué, t'as vu le bruit, toi? Faut le refaire? Allez-y! Vas-y, bah passe devant, Alex. Et j'ai champi mon bras, c'est incroyable. Incroyable. Je crois que tu l'as sur toi, Spirit Box, ou pas, Alex? Ouais. Je crois que tu vas le mettre. On va descendre. On va descendre. Oh. Alors, vous allez pouvoir le K18, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui a fluctué vraiment très fort. Et jusqu'au rouge, hein, c'est énorme. C'est énorme. Et c'était juste ici où on a entendu le bruit. Donc vous voyez comment pas. C'est dingue. S'il y aurait une entité démoniaque, vous pouvez vous manifester. Hein. On n'a pas peur. On est là pour ça, justement. Alors manifestez-vous. En tout cas, dans la chapelle, peut-être. Faire la spirit box.
C'est peut-être quand même qu'ils ont quand même. Bah, c'est grave hein, qu'ils ont dégradé cet endroit. Hein. Je sais pas. Donc pour la spirit box. Tu vois, puis ici. Hop. Et... Bonsoir. C'est qui, s'il vous plaît? On parlera avec qui, s'il vous plaît? Franck, non? On entend une grosse voix, une voix grave. Et c'est pas un enfant. Hein. C'est vous qui avez fait fluctuer le K18? Wow. T'as entendu la voix là? Est-ce que vous êtes une entité démoniaque? Oui, t'as entendu? Vous voyez? Est-ce que vous pouvez claquer une porte, s'il vous plaît? Oui, d'accord. On va se diriger vers une porte. Est-ce que vous pouvez la claquer? Merci. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Vous nous voulez du mal? Wow, t'as entendu? C'est en haut, hein. C'est en haut. C'est pas. Viens, on y va, on retourne. On remonte, manifestez-vous. Allez-y. Vous êtes là? Ouais. Vous êtes là? Ouais. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas là pour vous provoquer. Mais montrez aux personnes. Attends, c'est le plus grand. Vous avez dit quoi? Claquez la porte au fond là, la jeune. Montrez vraiment que vous êtes démoniaque. Ça a rigolé. Ouais. Montrez aux personnes. Allez-y. Vous nous voulez du mal? Viens, on va dans la grande salle. Vous pouvez déplacer la chaise ici. Faites-le, s'il vous plaît.
Si vous êtes vraiment démoniaque. Partez, ça dit. Hein. Ça dit pas. On partira pas. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Claquez une porte. Je crois que j'ai entendu Jean. Un truc comme ça. Jean. Ouais, un truc comme ça. Est-ce que Dieu existe? Mike. Je suis choqué. Hein. Oh là, ça dit oh là, non? Est-ce qu'il y aurait des enfants ici? Non. Encore une grosse voix. C'est vous l'entité démoniaque? Ouais, je crois. Bon, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, on va arrêter la séance de Spirit Box pour le moment. On va refaire un calme, un silence. Ouais, tu auras pu. Ouais. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de résultats. De belles réponses concernant cette entité démoniaque. Et. Waouh! Mon épaulière s'enlève un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire silence pour entendre des bruits, tout ça, tu vois. Et en bas, on va allumer le détecteur de présence. Sur la chaise. Ouais. Et à mon avis, je pense qu'il pourrait s'allumer. En tout cas, on a bien eu confirmation que c'était démoniaque. Je me répète, mais voilà. Allez-y, vous pouvez faire du bruit. N'hésitez pas à vous manifester. Le silence, c'est une ambiance bizarre. Vraiment, c'est pas un silence comme d'habitude. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Bon. Je pense que. On va allumer le détecteur. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ouais, si tu veux, prends-le dans le sac, Alex, pour l'instant. Il y a la pile. Dans les petites pochettes, à mon avis. C'est une pile carrée. Mais c'est vrai que c'était deux bruits assez forts tout à l'heure. La pile, elle est soit dans les petites pochettes ou soit sur les côtés. Ça? Non.
Tu vois, c'est les piles carrées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il me reste, c'est bizarre parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de pourcentage. Un bâton sur ma lampe. Ma lampe torche. Un bâton, il me reste. Et je la charge avant chaque exploration. Hein. Et logiquement, une lampe torche comme ça dure plus de 6 heures. Hein. Donc. Ça fait même pas une heure que je suis ici. C'est vrai que c'est dingue. Compliqué le sac. J'ai eu le même avec le sac. Donc là, on va allumer le détecteur de présence. Donc Alexis est en train de le brancher. Ouais, faut le mettre dans. Tu vois, tu mets les piles, tu mets la pile et après seulement tu clipses. Ouais, hop. Et logiquement, ça se clipse. T'appuies haut. Hop. Ouais. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, c'est ça. Vas-y, je vais le mettre sur la chaise. Vous pouvez voir si tu peux enlever ta lampe torche, Alex. Ouais. Donc le détecteur. Donc n'hésitez pas à toucher le détecteur, s'il vous plaît. Le petit nounours qu'on a posé sur la chaise. Allez-y. Montre aux personnes que vous êtes là. Allez-y, touchez le nounours, ça vous fera aucun mal. Allez-y. Montrez aux personnes là, s'il vous plaît. Oh, j'ai eu un drôle de truc à ma caméra. Ça, je sais pas. Ça a zoomé, flouté. Je sais pas comment t'expliquer. Pas comme d'habitude. Si c'est vous, refaites-le, s'il vous plaît. Touchez le nounours. Montrez que vous êtes là. Wow. C'est dehors, ça. Pour moi, c'est dehors. Vous pouvez faire du bruit? Wow, il s'allume. Voilà, vous avez la preuve. Merci. Merci. Wow, il s'allume. Voilà, vous avez la preuve. Merci. Merci. Wow, il s'allume. Voilà, vous avez la preuve. Merci. Merci. Wow, il s'allume. Voilà, vous avez la preuve. Merci. Merci. Wow, c'est dingue. T'as vu ça, Alexis? Non, non, c'est pas la lampe. Ah non, non, regarde, tu peux le faire. Hop, et enlève la lampe, tu verras. Regarde. Merci à vous. Refaites-le, s'il vous plaît. Retouchez le nounours. Une dernière fois avant qu'on parte, s'il vous plaît. Oh, c'est dingue. Allez-y, touchez le nounours, s'il vous plaît, là.
Ah, c'est dingue, il y a quand même. Il s'allumait, hein. Je suis choqué. Hein. Ouais. Ah, il s'allumait. Hein. Merci en tout cas, merci de l'avoir touché. C'est gentil. On l'a eu, au moins on a eu la preuve. On a eu la preuve. Ah, bah enlève ta lampe torche. Trop tard. Ah, c'est parce qu'il faut pas mettre ta lampe torche dessus, Alex. Moi, c'est pas grave. Bah, merci, hein. Merci quand même. Il s'allumait. Vous avez eu la preuve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a eu la preuve avec le nounours, on va le ranger, ouais. Et on va tout simplement refaire un tour. On essaie d'enregistrer des PVE, silhouettes. Ou même bruit. Ah, je suis content, il s'est allumé. Je suis content. C'est dingue. Merci, Alex. Bon. Ouais, je suis content parce qu'on a eu la preuve. Ouais. Il s'est allumé. Deux fois, hein, mais c'est parce qu'après, tu vois, avec la lampe torche, ouais. On l'a pas vu, mais c'est pas grave. Bon, on va refaire un petit tour et puis essayer d'enregistrer des bruits et si on peut avoir en direct une porte qui se ferme, ce serait encore une fois magnifique. Bon, bah je te suis, Alex. On fait quoi? Tu vas où? Je te suis. On fera 5 minutes. Ouais. Bon, on retourne en haut. On va essayer de voir si on peut enregistrer d'autres bruits ou d'autres phénomènes. Wow, c'est dingue, il s'est allumé le détecteur. C'est vrai que, tu vois Alex, tu reviens ici, mais cette pièce elle m'intrigue, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de spécial dans cette pièce, je sais pas pourquoi. Après les miroirs, comme je me suis renseigné, les miroirs servent de passage aux entités démoniaques. Donc un grand miroir comme ça, croyez-moi que ça peut y aller quoi. Donc n'hésitez pas, hein. Déplacez la chaise devant là. Allez-y. Faites-le. Plus c'est une ancienne table pour machine à coudre. Ouais, ouais ça peut. Ouais. Si tu veux rallumer le K18, n'hésite pas. C'est du noir. Ouais. Ouais, c'est vrai. Wow. Bon, les polières à chaque fois, elles s'enlèvent, c'est un peu compliqué. Attends, je vais me mettre ici. N'hésitez pas. Touchez-le, s'il vous plaît. Merci. Wow, 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 wow. Merci. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ici?
Wow. Merci. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Vous êtes nombreux ici? Arrêtez, s'il vous plaît. Répondez aux questions. Vous êtes nombreux ici? Wow. Merci. Ah, tu vois, on a encore la confirmation, hein, c'est dingue. Waouh, c'est dingue. Ça continue. Merci. Et au moment où je dis ça, est-ce qu'on doit partir? Wow. Ouais, bah, je pense qu'on. On va redescendre un peu, Alex. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, hein. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, bien sûr, franchement. Et le pire, c'est quand j'ai dit, ouais, ça nous a confirmé, il y a encore fluctué, tu vois. Tu vois, c'est. Merci en tout cas, c'est gentil. Et je vous demanderai de ne pas. Excusez-moi, je permets moi encore une fois. Et je vous demanderai de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'espère qu'à l'analyse, les bruits qu'on a entendus au premier étage, qu'on les a, ouais. Que j'ai pu les enregistrer. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'espère vraiment que tout ça vous aura plu. Comme vous le savez, j'insiste pas. On sait jamais. On va pas prendre de risques. On a eu les résultats qu'on voulait. Et j'espère que tout ça vous aura plu encore une fois. Je me répète, mais voilà, des phénomènes comme ça, faut pouvoir les enregistrer en tout cas. Et vous savez que c'est toujours pas. Par moments, c'est pas évident. Par moments, on peut repartir même sans résultat. Donc. Bon, on va pas tarder hein, parce qu'on sort justement devant. Et on peut se faire opérer. Donc, on reviendra pour. Une autre enquête ici, hein. Car on, voilà, comme je vous l'expliquais, on voulait mener une enquête, mais aussi vous faire découvrir cet endroit. Ouais. Ouais. J'ai failli tomber. Ouais, non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois pendant les enquêtes, et c'est vrai que c'est dangereux. Ce que je vous répète, faut faire vraiment très très attention hein. Et je vous conseille de vraiment de pas réaliser d'urbex en tout cas. Je ne vous conseille pas. Oh. Vous pouvez voir hein, c'est vraiment c'est quand même un endroit assez effrayant hein. Bon bah voilà, en tout cas j'espère encore une fois que on a pu enregistrer beaucoup de résultats. Et voilà. On a eu des résultats là. Ouais ouais, par rapport aux fluctuations et les bruits, et ouais. La spirit box aussi, hein, t'as ouais, vu ce que les réponses qu'on a eues c'était dingue. Ouais. Bon voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour une prochaine enquête qui vous plaira sûrement. Encore un lieu très très intéressant. Hein. Et comme je vous l'expliquais, on reviendra pour une prochaine enquête ici, pour essayer d'approfondir tout ça. Donc voilà, on va se laisser là et puis j'espère que tout ça vous aura plu. Les amis, on se retrouve pour une prochaine enquête. Ciao. Ciao.